qui? On est en route pour Mannheim. Ouais, Mannheim, je peux me tromper avec Namur, qui n'est pas du tout dans le même pays. J'ai les yeux explosés parce que j'ai fait nuit blanche. On a commencé l'aventure à quelle heure là? 4h du matin? Ouais, 4h30. Ouais. J'étais censée du coup me lever vers 2h parce que j'avais pas fait ma valise. J'ai cut mon live à 1h30. Bref, j'ai pas dormi du coup. Je suis explosée. Là, on a pris deux vols. On a eu 4 heures de correspondance à Paris. Là, on est dans le Uber. On arrive enfin à destination. Dans 40 minutes, on arrive à l'hôtel. Est-ce qu'on va dormir à l'hôtel ou est-ce qu'on va directement sur scène voir les Angels? Je vais dormir. Je pense que je vais clairement dormir et je vais attendre le group stage à 18h parce que c'est là où Falcons joue encore. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Je vais faire un room tour du coup de l'hôtel. Je vous montrerai tout des LGS. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous intéresse. Et bonne nuit à tous. Je viens d'arriver à l'hôtel avec Aki. Les chambres sont prêtes pile quand on est arrivé, donc on a eu trop de chance. On va pouvoir se doucher parce que là... J'ai trop envie de me doucher et de me coucher dans le lit, mais je me dis que si je me couche ce soir, ça va être dur parce que là, oh les yeux que j'ai, assez dur là. Bref, je vais vous faire un petit room tour, mais c'est rapide. Voilà, le lit, petite télé avec bureau, petite chaise. La vue, je suis au premier étage, Unlucky, du coup j'ai la vue sur ce truc là. Je sais pas pourquoi ils ont tout le temps un truc comme ça, les hôtels. Mais bon, en vrai, elle est belle, mais juste il y a un truc de merde quoi. Et je vais vous montrer également la salle de bain. J'espère que j'appuie pas sur le micro. Oupsie, je sais plus où il est. Donc voilà, ça c'est la salle de bain. Basique. C'est le pire plan que je fais, je suis désolée. C'est quoi ça? Ça doit être un truc connu en Allemagne, je sais pas ce que c'est. Et voilà, et la petite salle de bain. On arrive à l'arena, c'est cool parce qu'on a des shuttles toutes les... C'est la deuxième fois que je suis dans une montagne. Wesh, mais j'ai quoi là? Je crois que je suis très fatiguée les gars. Alors on a des shuttles toutes les 30 minutes pour nous amener, donc ça c'est très pratique. Par contre, petit bémol, c'est qu'on a super faim avec Aki et qu'il n'y a rien pour manger autour. Donc on va mourir de faim. Aki, t'es content? On va manger la nourriture dans l'aréna? C'est sa mère. Elle va être dégueulasse. Je sais pas si la nourriture allemande elle est bonne. On verra, on va vous dire ça. Mais au State c'était vraiment pas bon dans l'aréna, donc bon, ça promet. On doit aller où là? Ils ont pas l'air au courant non plus. Ah si, c'est là. Let's go dans l'aréna. Je suis trop contente, regardez, juste derrière. En vrai, elle est cool hein. Elle est stylée de fou, qu'est-ce que tu fais? Oh, il met le micro et tout pour son vlog. Mon frère, ah ouais, le professional man. Ça rend trop mal, comment ça les gens ils mettent des micros? Non mais moi je le mets pas hein. Je suis un galon ou quoi? Après je l'ai payé le micro mon frère. Moi j'en ai mais je les mets pour mes vidéos, pas pour les vlogs. Ou si vraiment il y a du vent c'est cool, mais sinon flemme. Bref, let's go. On a les petits badges, on a tous des Watson, heureusement. J'étais un peu dégoûtée d'avoir Watson, mais apparemment tous les contents créateurs à Watson. Ou Watson, je ne sais pas parler, ça fatigue. Je vous promets, dans ce vlog je pense que le français ne va pas être au rendez-vous. Et voilà, petit badge pris, on va pouvoir rentrer dans l'arena. Yes. Ah, j'ai cru que c'était qui se foutait de ma gueule, mais c'est quelqu'un qui toussait. J'allais trop mal le prendre. Bon, il y a les joueurs, il y a du monde, on va pouvoir manger ici. Et là, je pense que c'est l'espace, pardon. C'est l'espace demain où je vais faire les 1v1 demain matin. Je n'ai pas envie, je stresse. Et voilà, je pense que ça va être là. Et let's go manger, non? Faut qu'on aille voir tout le monde après. Hein. Let's go, la vue qu'on a du lounge, c'est trop stylé. On est trop trop bien là. Là, il y a tout le monde, tous les petits français. Et voilà, bon là, il n'y a pas énormément de monde encore. C'est les places de poule et encore, c'est quand même pas mal rempli. Mais je pense qu'à la finale, il y aura vraiment tout ça là-haut de rempli. C'est trop stylé. Et là, on a tous les casters, dont Orax et Wise là-bas. Ça y est, on a... Merde, j'allais dire, tu sais que je trouve qu'on a une place de baiser. J'avoue qu'on est vraiment devant les gars. Il y a le stage là. Bon là, c'est la pause. Et on a enfin à manger. Là, c'est trop nul les frites. Et j'ai pris un burger moi au chicken, au poulet, c'est. Bref, là on est bien là. Je ferai cet effort de les manger alors qu'elles sont moins croustillantes, y'a aucun souci. Je suis pas difficile, 8 sur 10 alors. Ah, je suis plus difficile que toi. C'est en train de débattre sur des frites depuis tout à l'heure. Ouais, mais sachez que là on a les vestiaires du hockey. Ouais, non, des LGS là pour le coup. Non, c'est transformé pour les LGS. Vous avez pas fait le truc au max, les gars. Ça a pas été fort. Tu vas dire, il est en train de juger ton travail. Tu veux qu'on en parle? Tu viens de perdre 3 OP. Tu viens de perdre 3 OP, finalement tu fais pas les 1v1. Voilà. En plus t'es à chier. Ouais, tu rentres en France. Jure, je vais pouvoir jouer Apex, c'est trop lourd. Ok, GG. Bravo. Bon les gars, on va sur la scène où il y a les joueurs. C'est grave stylé. On a sorti ses petits appareils photos. Waouh, mais c'est trop. Tu t'entraînes à avoir des émotions, vas-y. Wow, c'est splendide. Oh, c'est la première fois. C'est la première fois que tu vois une scène ouais. Aussi belle. Waouh. Wow. OMG. Oh là là. Putain, il y a tellement de monde. C'est plus beau qu'en live, hein. Là, c'est pas mal, ça, là, t'es fort. Mon vlog va être archi pas crédible, mais il y a de l'idée, il y a de la recherche. Ouais, il est trop incroyable le trophée. C'est
T'aimes pas le trophée? Mais si, il est trop beau. Comment ça? Un peu plus grand, ça aurait été stylé. C'est vrai qu'il y a toujours des trucs. Hein. Non, le trophée, c'est pas les plus beaux trophées Apex. Bah, ré... En vrai, j'aime beaucoup. Ah, donc si c'est elle qui le dit, on. Non, mais moi je te troll, c'est toi, j'ai envie de te mettre dans la salle, c'est tout. Ah, ok. Non, le trophée est beau, mais il est pas, t'es pas en mode waouh quand tu le vois. Mais il est beau, non, on va sur la scène. Voilà, c'est tout, avec tous les joueurs. Stylé. Regardez les gars, c'est Impérial 1, la personne favorite de Juliette. Oui, regardez, il est là-haut. Il a même entendu qu'on a été au blaze. Ah ouais, il va me mettre dans la sauce. Je suis en train de porter ton pull, ça fait 5 minutes. Merci d'avoir porté mon pull. Et ton plan, il va être super en plus, vraiment. Hein. J'ai oublié de tourner la carte. Mais c'est le pire vlogueur de tous les temps. Mais c'est la faute. Attends, j'ai toujours pas tourné la cam. Désolé les gars, vous étiez pas dans le bon sens. Mais j'ai oublié. Bon, j'abandonne les gars. Bon, je me casse, il m'a saoulé. De retour dans le lounge, on va aller voir Falcon's Sweep. C'est la dernière session de phase de poule de la journée. Demain, il y aura 3 autres. C'est long pour rien. On ta gueule, Juliette. Ah, on n'est pas bien là. J'ai essayé de filmer un max, mais j'avoue que c'est compliqué de filmer plus de choses à l'intérieur, c'est juste l'arène et le lounge, on n'a pas trop le droit de filmer. Surtout qu'on était fatigués, là je suis KO, je vais rentrer et je vais finir les games depuis l'hôtel sur l'iPad parce que je m'endormais là. Je regardais les games et mes yeux se fermaient, je me relevais en mode oula, est-ce que je sentais ma tête tomber? Vous connaissez la sensation, là c'est très très compliqué. Ah ouais, la navette de retour elle est énorme. Très bonne place ici. Qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi tu fais ce bruit? Parce que je me suis cogné le genou. Pourquoi t'as de l'énergie pour foutre de ma gueule alors que ouais, là je suis on est tous fatigués. C'est la dernière énergie qui me reste. Ah, mourir, je veux rentrer dormir. On va perdre la tête. Oui, on est françaises. Quasiment, c'est français aussi. Ouais. Quasiment. Du coup, je viens d'arriver dans la chambre et là, planning de ce soir, comment on a mangé, me doucher, manger dans le lit, regarder les LGS, dormir et me réveiller le plus tard possible. De toute façon, je dois me réveiller. Je dois y être pour 13h30, dernier délai demain, parce que j'ai des 1v1 contre les spectateurs à faire. Après, ça va, là, franchement, il est quelle heure? Il est 22h. Quelle heure? Il est 21h18. Je crois que je vais bien dormir. J'ai le temps, je suis là. J'ai même pas de chien à promener vu qu'il est chez ma maman. Ah, rien à faire, mis à part manger et dormir. C'est pas la belle vie, ça? Bien sûr que si. J'espère que ça va, nouvelle journée, jour 2 en Allemagne pour les ALGS Split 2. Je suis trop contente, je suis la dernière à m'être levée. En même temps, j'étais la seule à avoir fait une nuit blanche hier, à qui aussi en vrai. Mais bon, à qui il a dormi 6h je crois, il est à la salle ce matin et tout, j'ai vu dans sa story. Complètement malade et je crois qu'il est déjà à la LAN, mais bon bref. Moi je vais attendre la navette, mais je sais pas si elle va venir en fait. Normalement oui, mais bon j'ai l'impression qu'il est 26, elle est censée être là à 30, elle est toujours pas là. Et on est censé partir à 30, pardon. Je pense que ça va prendre un Uber parce que ça m'a l'air... Ils se sont dit ok, tout le monde à la LAN, on passe plus. Et s'il y a encore Juliette qui a rompiche pendant 11h. Oui. Non, en vrai, j'ai trop bien dormi, ça m'avait du bien. Je vais être en forme aujourd'hui. Surtout qu'il y a les 1v1. J'ai trop hâte d'aller voir ça pour le vlog. Ouais, on est en 2012. Désolé. Là, j'arrive au Media Lounge. Le truc, c'est qu'on m'a dit que Akif s'était levé à 6h, comme je disais tout à l'heure. Sans dormir sur la table, voilà, le mec, juste pour aller faire une séance de sport, va niquer sa journée. Déjà à lui, on va voir ça. Hâte de le voir là, de baver sur la table des gens qui bossent de chez Respawn. Alors, t'es content de pas avoir dormi alors que moi j'ai dormi 11h. 11h, coucou Kiki. Adèle là-bas, qui se fait déjà alpaguer. Regardez là, elle en peut plus. Adèle qui a tourné une vidéo qui l'a mis en PLS, elle doit la refaire parce qu'elle était en vertical au lieu d'être en horizontal. Non, mais moi je pensais qu'on était en Allemagne qui allait faire froid, mais ils sont en canicule, il fait plus chaud là qu'à en clavicule. En calvicule. En clavicie. En clamédia. Oula. Tu connais ce mot, Juliette? C'est quoi déjà? Non, mais tu te rappelles pas? Clamédia. Clamédia. Tu connais ce que c'est? Moi je sais pas ce que c'est. Non, on a fait un jeu chez Charlotte, c'est son anniversaire. Donc toi, le pire nom pour un shop. Mais Elia, c'est pas il y a 6 mois qu'elle t'a donné des cachets pour la clamédia, c'est ça? Toi, tu connais? Non. Je vais faire un vlog à Apex Legends aux ALGS. C'est la
nous, plein de gens amènent leur PC pour jouer dans un même endroit. Bizarre. Imagine, t'as des gens qui regardent des gens jouer. Imagine, tu prends l'avion pour aller voir des gens jouer. Imagine, tu prends deux avions. Genre. Et à faire 4 heures de pause entre. Les gens ont pas dit en fait. C'est bizarre, les gens. Franchement, moi, je me casse en fait. Ouais. C'est bizarre tout ça. Du coup, tout ça comme meuf. Mais qu'est-ce que tu fous là en fait? Bah, la bouffe. Du coup, les gars, on a fait les 1v1 tout à l'heure. Ça s'est bien passé. En vrai, j'ai les mêmes stats qu'en NA pour le moment. J'ai plus que deux fois ici en NA. Donc, ça va. Et là, on regarde les derniers games. Bah, il y a FA Kids qui joue, ma petite française. Et juste après, dans le prochain bloc, il y a Falcons. Donc, j'ai hâte. Vous n'êtes pas fan ici? Bien sûr que si. Alors, Elia m'a dit qu'on pouvait espionner les joueurs. On va aller check ça. Donc, là, on est dans la cuisine et on les voit jouer. En fait, ils trainent. Il y a la scène à droite derrière les écrans. Et là, derrière, il y a des gens qui trainent, voilà, parce que vu qu'ils sont pas en train de jouer pendant les blocs, là ils peuvent s'échauffer s'ils jouent juste après quoi. C'est stylé. Ah oui, aussi j'ai oublié de vous dire, petit flex quand même, j'ai battu des monios, un petit prédateur manette. Bon, il est trop chaud, il m'aurait détruit je pense s'il avait sa manette et tout, mais bon, vu qu'on était pas sur le stuff, c'était un peu galère, mais bon, j'ai gagné. Je vous avais pas montré qui va se faire laver le cul dimanche, Tat, parce qu'on joue avec Adèle, hein, aussi dimanche. On est cette équipe de 3, une team terrifiante, on stage, on va jouer on stage derrière, donc comme des joueurs pro contre des masters diamants, des masters Predator, alors que ouais, c'est ça. J'ai trop hâte de voir écrit Winner. Tu le verras pas, vraiment tu le verras pas. Par contre, ce qui est cool, c'est que certes, c'est mon pseudo, parce que c'est mon pseudo la team, j'ai un peu le seul, mais il sera tout le temps éteint, donc on le verra pas. Il sera éteint, donc on va mourir. Premier fight, dead. Donc enfin, on le verra pas, vu que mon pseudo s'éteint quand on meurt. Non, si, j'ai pas d'espoir. C'est bien la seule, malheureusement. On va aller espionner à qui fait des 1v1, parce qu'il a fait le malin quand moi je faisais les 1v1. On va un peu se moquer de lui à son tour. J'ai perdu que deux fois. Il a intérêt de perdre moins. Sinon, j'ai bien foutu de sa gueule. Et en plus, j'ai battu un prédat. Est-ce que lui, il va battre un prédat manette? Je ne pense pas. Il y a pas mal de monde hein, qui veulent le jouer. Hein. Et regardez qui y a. Adèle, tu fais la queue pour détruire qui? Ouais. Ah ouais? Exactement. Tu fais vraiment la queue là? Non, j'ai pas de queue. Ah ok. Il est là, cet abruti. Oh ouais, il est en stream et tout. Moi, j'ai pas osé. J'avais trop peur qu'on voit que je passe à exploser. J'aurais dû. Ah, viens, on va faire une photo là-bas. Mais moi, je suis trop pigeon. Non, mais viens, on va faire une photo quand même. Pas compliqué à convaincre. T'as perdu. GG. C'est quelqu'un, il pèse, hein. Il a une chemise yo, flamme olympique, il a un nœud de pape et tout. Tu t'es fait détruire par un mec, mais au moins qui avait la classe. Ça, c'est pour ton blog aussi, je te l'enverrai. Là, je vais me faire humilier dans mon propre blog. Ouais. Okay. Après, je peux te refilmer quand tu vas gagner. En live et tout. J'avoue. Parce qu'il est en live et tout, hein. C'est chiant, tu peux pas voir ton chat. Vous avez vu, après, je vous jure, c'est dur, hein. Voilà, il a win. GG. Ouais, il est bourré, il vient de dire I'm drunk. Super, mon gars, moi non plus, c'est pas de l'eau. T'as gagné, mais il était bourré, quoi. On sait pas si c'est un palmarès ou pas. Une victoire est une victoire, j'en ai rien à foutre. Voilà. Attends, t'as gagné tes deux matchs manettes, là. Bien sûr, ancien joueur code, des années d'expérience. C'était... Non, attends, là, c'est le moment où je me fais des ennemis dans le blog. C'était tellement facile. Oh là là. Non, en vrai, on rigole, c'est que t'as pas mal joué à la manette aussi. Ouais, j'ai beaucoup joué à la manette. En vrai, manette, c'est tout ou rien. Soit vous êtes nul, et enfin, nul entre guillemets, vous commencez la manette et du coup, c'est. En vrai, la manette, c'est dur quand tu commences. Mais une fois que tu prends vraiment la main, tu peux être un monstre. C'est pour ça que tous les joueurs pro jouent manette. T'as dit quoi? J'espère que vous allez passer une super soirée. Non, je veux les goodies, ils sont où? C'est pas un truc de fou non plus, hein. C'est juste. Bah, en vrai, nous, ce qu'on reçoit à chaque fois, les bobs et tout, c'est stylé en vrai. Oh my goodness. Thank you. On est bien. En plus, on a les games et tout. Oh non, mais moi, je m'en bats les couilles de ça. Y'a du hockey. Mais non, mais y'a personne, hein. Non, il y a du monde, je disais, ah ouais, ouais. Ah ouais. Hop, devant le hockey, on est bien. Oh, 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 les churros, ça. Thank you so much. Oh là là, les churros. Les churros, j'aime trop ça. Par contre, il y a du salé, du sucré, il y a tout en même temps. Ouais, j'avoue que c'est un peu le bordel. Ok les gars, je vous montre tout ça. Alors, on a une petite sacoche en mode Apex Legends. C'est quoi ça? Et c'est qui? Ça dit un truc? Bon, je sais pas ce que c'est. Voilà. Le mot là-dedans. Oh, c'est un collier avec collier avec la résine de l'Obam. C'est pour Elia, ça. Oh yes. Elle a un petit habillé avec. Voilà, des chaussettes avec. Et. Ah, c'est un jean. Oh, il est trop beau, hein. Et voilà. En attendant, j'ai stocké toute la bouffe ici. On va se régaler. Ouais, bon à vous. Oh my god. Je suis avec Mei Mei, des Monio, il y a toute la squad FR. Voilà. Ici aussi. Et depuis Mims. On regarde du coup la LAN en buvant du vin, on est bien. T'as mis quoi? Aurélien MVP. Et regardez comment ça arrange
juste ici. En gros, ça rend comme ça. Là, on a notre petite photo et il est set up comme ça. Yeah. C'est le process en fait. Et on a mis ALGS winner. Je suis morte. Ouais, en vrai, c'est stylé. Hein. Oh. Best IGL. Thank you. Et voilà, trop mimes. Hop là, j'ai mis ma petite carte Best IGL. J'ai un peu menti, bien évidemment. Je voulais mettre MVP, je regrette. Ça aurait été plus drôle. Et la carte avec les filles, ALGS winner, bien évidemment. Alors qu'on joue pas. Oui, oui, oui.